Sorti loin pour nous venir chercher la vie meilleure. Nous pas quitter la vie chercher nous. Timoun c'est la vie, Timoun c'est l'espoir, Timoun c'est demain. En nous protéger yo. Pendant la branché sous émission Jeunesse contre la drogue, chaque jeudi 3h de l'après-midi, rivé jusqu'à 4h. Jeunesse contre la drogue, chaque jeudi avec Ecclesias Fanor. Téléphonie 774 381 1002. France Louisia 617 275 1502. Hermine Bazley 508 371 71 97. Jeunesse contre la drogue, à l'instant même sur Radio Télé Planète Compas. Hi, nom c'est Ecclesias Fanor. Après 20 ans, c'est la communauté haïtienne, non? Mais je dis à me retourner au service communauté haïtienne d'État de Massachusetts. Particulièrement ville Brockton, avec l'organisation JICD, Jeunesse contre la drogue. Jeunesse contre la drogue, c'est une organisation qui apprend le travail avec Timoun de 6 ans à 17 ans dans le domaine éducation civique, sport, coup créole, coup français, coup mathématiques, coup musique, coup danse. Et en pile encore, prend 3 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir et les jours fériés. Il y a un registre d'inscription ouvri Kounia dans le local 275 Main Street dans Brockton ou bien 37 Belmont Street, Brockton. Pour toute information, relais Ecclesias Fanor 774 381 1002 France Louisia 617 275 1502 Madame Jean-Joseph Lesage Étienne 508 371 71 97 ou bien Docteur Woody Joseph 603 312 00 62. Flash. La section évangélique de Radio One présente. Mes amis, dimanche 1er décembre 2019 dès 6h de l'après-midi au Strand Théâtre, 543 Columbia Road, Dorchester, première édition Festi Comédie. À l'affiche, Jean-René Charles de Semence d'en haut. Fredo Monplaisir venant de la Floride. Élisée Joseph venant d'Haïti. La fille chérie de Boston, Carolina Marius, et son papa. Le groupe Young Adult Ministry. La princesse Emeline Michel. Hey, le clou de la soirée, le roi du rire, Jessifra, avec tout plia, non gros coquin chaîne pièce, le malheur dans l'amour. Mon Boston m'a étendu, dès qu'à cette demande, yo tient pile l'autre côté, troupe Jessifra, dans ce théâtre, dimanche 1er décembre 2019, c'est ça, net. Présentateur Jean Rubens et Didier Lovamix, dans son répertoire évangélique. Attention, on apprend un hommage bien mérité à Auntie de Rose. Gros événement ça, patronné par Radio Téléplanète Compas, Radio Vibration FM, Neckbohod Treatment Center. Patronné aussi par Sonny Bekola, Télé-Soleil. Pour information, 617-201-0321. Pâte à pourvie exactement à 5h30, Showtime, 6h PM. Admission, $35 depuis Kounia. De pour monter col moins de Vendée, qu'on aime Brian Coury. Bonsoir, bonsoir. Nous reparaît encore jeudi après-midi, hein? Jeudi 7 novembre. Et écoutez, nous avons continué avec le travail de prévention nous, dans le droit de pour Timounio. Et nous avons supposé, ouais, directeur exécutif nous, sous bord là, les grands empêchements, les pas là. Et que nous avons avec nous, et président nous, M. Fanor Ecclesias. Et nous avons avec nos PDG nous, qui toujours entouré nous, qui pour nous toute assistance possible pour l'émission toujours bien passée. Et nous avons dit bonsoir à toute communauté. Nous dans Jeunesse contre la drogue après-midi, 3h04, 1h de temps. Côté nous pour brasser l'idée ensemble. Et nous avons le téléphone, c'est 741-961-4930. Si nous besoin de relais, parce que nous pourrons gagner ou inviter, mais c'est au bout de fond, nous pourrons le faire. C'est ça qui fait mon numéro ça. Si nous besoin de relais, pour nous capables de relais. Et
Nous allons commencer là, Monsieur Fanor, directeur et président président nous, comment ça est aujourd'hui? Bon, Madame Etienne, bonsoir. C'est vraiment ça, deux heures différentes à travail. Donc, on connaît trois heures différentes puis vibrer. Nous avons un directeur exécutif, la Monsieur France Ligia, qui est censé empêcher et nous saluer côté IA. Donc, son plaisir pour nous vraiment saluer tout le monde. Et Good Samaritan Compassionate Center, programme jeunesse contre la drogue qui en dedans, n'a travaillé sérieusement, qu'on y en a pas travail pour nous vraiment faire sensibilisation pour nous sauver en pile vie humaine, surtout jeune nous, parce que dans Bokton, Madame Etienne, c'est même ça qui s'est passé là. Ti moun qui mourut, ti moun y a arrêté, drogue là vraiment son désastre. Donc, nous m'a des communautés à support. Pour travailler dans la fête, c'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est très difficile. Mais quand bien, avec conviction, nous vraiment à focus pour sauver vie humaine. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi, Madame Etienne, pour nous vraiment travailler. Parce que le travail là mérite un pile encouragement, Madame Etienne. Et nous remercions tout, nous remercions tout le monde qui supporte nous, tant que le PDG de la radio, Mr. Awol, qui toujours ban nous tout support moral, tout support technique. Nous vraiment contents. Et n'ab dit bonsoir à PDG nous qui campé bon côté nous. Hein? Comment ça y est? N'ab kembe, nous connaît là, on travaille du pour nous. Et nous gagnons. Maître Régis du côté de Gonaïve, qui souligne. Maître Régis, bonsoir. Bonsoir Madame Michel, bonsoir Président Yves Arsalon, bonsoir Docteur Aaron Maïs, bonsoir Monsieur Président, bonsoir tout auditeur auditif de Radio Téléthon Copas. C'est un plaisir pour que nous soyons capables de partager connexion avec le public, que ce soit dans le stand, donc que nous toujours mettons au service de nous-mêmes. Ok, comme nous allons entrer avec l'introduction générale là, Kode Nabdi, bonsoir et bonjour. 3 heures arrivées, côté nous pral passer une heure de temps ensemble, grâce à Grand Maître là qui bon nous chance. Toutes les fois, nous avons respiré pour nous continuer à kembe dans la mission ça, li mette sous cœur équipe programme Jeunesse contre la drogue là, pour nous travailler pour parents yo et bataille pour jeunesse là. Nous avons toujours rappelé, émission ça, c'est une émission qui parle en politique, qui là et qui fait pour accompagner les jeunes, guider eux, permettre de réfléchir aux autres gens, à l'autre mentalité, pour que ça y a cherché, pour qu'ils arrivent à joindre. Pour émission ça possible, président nous, Monsieur Ecclesiastes Fanor, fait tout moyen du bord pour le mettre la joue. Dans émission Jeunesse contre la drogue. Sous quel que soit sujet, quel que soit thème, nous toujours positionnons-nous sous le mot drogue qui pour nous gagnons paquet, qui gagne un paquet facettes, d'où nous pralouer qui j'en théorise concevoir. Les nous garder la vie, c'est une école, c'est une lutte perpétuelle liée. Si nous voulons avancer, faut que nous toujours continuer éduquer tête nous dans tout sens, parce que éducation c'est base tout développement humain. Et dans un pays, droit à l'éducation, c'est un droit qui est fondamental. Raison qui fait nous parler de l'éducation, c'est parce que nous t'a toujours fait jeune nous yo, jeunesse nous comprendre et connaître nous pas t'arrêmer yo tourner des victimes innocents. Et kounyan nous va passer dans introduction invité nous qui est souligné avec nous qui c'est Maître Régis Rémus du côté des Gonaïves. Qui c'est un avocat et c'est un professeur université, c'est un écrivain en même temps. Programme équipe jeunesse contre la drogue, c'est une émission à caractère socio-éducatif. Côté nous t'avle comité société jeune nous yo, surtout qui c'est espoir pays à bénéficier et comprendre ça qui relé investissement collectif, succès collectif et qui a gain pour déboucher en finale sous prospérité collective. Nous pas juste un beau parleur, en parenthèse, qui chaque jeudi cap vine parler en pile dans tête nous. Mais n'ap cherché ouais, si nous ka créer une chaîne personnalité de solitude
de solidité, de solidarité, de stabilité qui a un signe de santé économique qui pour orienter nous dans tout coin, pour nous toucher tout horizon, pour nous continuer à partager, propager, vulgariser devise nous. Ou même, nous-mêmes, cap tende, ou cap suivre, ou cap garder nous en direct. Nous, jeunesse contre la drogue, nous considérons moment ça, c'est un plat manger chaud. Nous venons partager avec nous. Arrangez-vous pour prendre deux cuillères. Dans le contexte ça après-midi, nous avons avec nous Maître Régis Rémus du côté des Gonaïves en Haïti. Nous quatrième fois qui pral débattre un sujet qui très fort et qui très important, qui c'est la jeunesse contre la drogue, un combat contre le terrorisme. Soyez de toute oreille. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le sujet, nous toujours passer dans salutation. Monsieur Fanon, vous avez mon salut avant de rentrer. Tout d'abord, nous vraiment remercier Maître Régis, l'homme du moment. Et Maître Régis, son monsieur qui était respecté, un avocat, un notaire public département de la Tibonite, particulièrement Gonaïve. Nous vraiment contents chaque fois nous avons Maître Régis. Et ces communautés et l'état de Massachusetts là, surtout ville Boston, tout le temps, qui a demandé pour Maître Régis, qu'il est bien Maître Régis. Et Maître Régis, il faut dire nous sommes dans l'élection là, donc vraiment, nous perdons, nous gagnons. Nous gagnons pour Bokton, nous avons un grand combattant, un grand leader, M. Adis, mais c'est très malheureux que pour un pays de près, il n'y a pas gagné l'élection Bokton. Nous avons Mme Natacha Clergé, une vraiment vaillante dame qui fait fierté communauté haïtienne. Dans Randolph, il a gagné. Moi, je suis une supporter, Mme Natacha. Gagne Mme Gerline Adrien du côté et voit qui gagne nous gon l'autre ici encore donc Marvin mais ça qui plus vraiment ta fait nous mal dans Bokton nous compte Bokton dans son gros cité côté monsieur Adis by ville by temps ils font plus sacrifice mais communauté a te manqué répondre communauté haïtienne donc nous vraiment content pour nous faire comme ça parce que c'est haïtien là vient ici dans Bokton nous et comme mettre régime de terrorisme on pas connaît son pensée bon c'est question belle victoire pour communauté haïtienne dans Bokton et parce que quand lorsque ou bien une société diversifier dans plusieurs domaines, et surtout lorsque c'est de ça, l'union de notre pays, et il fait, il montre les valeurs, il montre l'importance, la potentialité, ça permet que c'est de ça, du compte du sale besoin. Donc, peut-être en Haïti, vraiment, nous n'avons pas fait effort que nous devons faire, même parce que la communauté diaspora, haïtienne et la diaspora, parce que c'est sinon l'autre, et propre, qui pense autrement. Et il est capable de dire bravo avec tous les combattants politiques qui viennent dans l'élection. Donc, nous souhaitons un succès, nous souhaitons que vous réussissez dans le mandat, nous souhaitons que vous ayez beaucoup plus de résultats qu'auparavant et que vous êtes capable de travailler dans l'intérêt de la communauté et du pays en général. Donc, succès avec eux-mêmes, bon travail. Ok, bon, nous faisons une parenthèse là. Donc, Madame Etienne a vraiment a fait quelques salutations après pour entrer dans le bleu dans le choix. Avant de passer dans la salutation, je m'appelle. Passez avec nous 2002-2019 pour célébrer grandiosement ses 17 ans. Grand concert de fundraising sera organisé à Randolph High School Auditorium, numéro 70 Memorial Parkway Randolph, dès 5h de l'après-midi. Une heure de temps de prière comme d'habitude. Anissa Napguin-Sœur Lafontaine, Pasteur Toto Serge Julien et Sœur Rachel Pierre-Louis pour première partie. Deuxième partie, venant directement d'Haïti, la coqueluche du moment, Élisée Joseph. Carolina Marius a performé live. N'a pas aussi Tizayon. Hey, bon micro à Mr. Compa. Oui, c'est moi, oui, Tizayon, un chien annonce qui prend chanter. Priez pour Haïti. Chaque jour, c'est une seule parole. Haïti bagaille au pitbull. Et du même coup, ma baille $500. Ayon, toi, dame, cap chanter musique à pibier. Passez-moi, ma boue, ça.
Gerda Victor. C'est Yannick Pierre-Jean. Dieuné Exantus. Le groupe Young Adult Ministry Yam. Peotina Louis. L'esprit l'est ou pas là. Et évangéliste Jeffrey Altenor. Il a déception, non. Prenez Picounia, tout mois d'octobre jusqu'à dimanche 10 novembre. Et attention, à partir de lundi 11 novembre, tout ticket est à $35. Donc, prends pilla et la de Picounia. Eh bien, on a retourné back dans le programme, non? Côté, nous allons passer dans la salutation. Nous sommes de qui Jean et Marie se disent là que prends ticket parce que après ça, il va monter 35 après 11 novembre. Eh bien, nous-mêmes qui ne comprenons pas ce nous, motivez-nous pour nous aller pratiquer nous, côté nous connaissons, nous capables de joindre. Et nous passons une salutation spéciale à tout secteur concerné, et spécialement à Maître Régis Rémus, qui pensait à faire nous focus sur le développement formation de drogue là, qui gens pour bien comprendre, ni dans tout sens, pour continuer à prendre des précautions fortes et puissantes pour bien être. Et tout l'autre monde dans la société, ya, et en toute sincérité, ça va arrêter un acte de bienfaisance qui n'a pas gain prix. Et nous, comme nous sommes les messieurs et Ecclésias sont parlés là, nous avons fait l'élection qui s'est passée, eh bien nous allons saluer tout candidat qui te mis le cœur pour te faire la communauté en service. Et que nous avons commencé à saluer spécialement. Et monsieur Adius Pierre Nabdou, courage, bon travail. C'est pas ou même qui perdit. Comme m'a toujours dit dans l'ensemble, c'est communauté haïtienne nan qui perdit. Côté depuis ou gen 25 ans ou bay communauté à service, nous même toute équipe programme jeunesse contre la drogue là, nous aimons et nous fiers de vous. Ou a toujours été dans l'esprit un exemple de vaillants soldats, quoi dans tête, c'est bito bité, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Continuez quoi dans l'idéologie ou yo. Bon Dieu va faire chemin avant et la continuer faire la route là avant, ensemble avec toute famille ou yo. Bon Dieu gagne un plan pour vous, ne sois pas déçu, toujours été consistant à tête. We love you all et félicitations à toute équipe ou à qui te campé diam ensemble avec vous dans tout parcours élection électorale là. Dans la vie, tout sort fait qui bon, bon Dieu a toujours bien gardé. Et n'a passé une salutation spéciale à notre brave le jeune Jean Bradley de Renoncourt qui vraiment l'y sentit touché par des fêtes ça. C'est un autre calotte encore il prend. Lui mandé qui l'est n'a prend conscience de tête non pour nous travailler pour propre tête pan dans avancement communauté ya, société ya. Qui ça n'a bénéficié puis devant le jeune Jean Bradley de Renoncourt n'a toujours fier de vous nous remercions comme toujours dit maman Bernadette Adonis. Salutation spéciale à madame Natacha Clergé qui remporte la victoire. Un seul coup de clé, machine n'a dérapé. Bravo. Madame Natacha Clergé, félicitations. Continuez travail et bataille dans l'intérêt développement communauté. Continuez développer davantage dans le progrès. Bon travail. Nous remercions, nous fiers de vous parce que vous fiez, fait fierté dans la communauté. Keep it up the good work. Balla nan kan. Salutations spéciales à madame Bernadette Adonis. Que porte ciel là? Ouvri pour vous. Maman communauté, vous méritez honoré. Quel que soit vents et marées, ou toujours disponible et ou remè moun et tout moun, sans exception. Bon Dieu béni. Salutation spéciale à Dr. Oudi Joseph qui recevoit M. Adius Pierre dans Télé-Soleil avec une belle interview de visibilité. D'autant plus, jour 5 novembre, nan, il était sorti juste nous en cher pour te vin kembe sign pour notre candidat monsieur Adius Pierre. Docteur Oudi Joseph, bon Dieu béni notre PDG monsieur Aol Marius ou même c'est clé société a ou yé communauté a ou yé. Nan encourager jeunesse ou yo
par la voix de votre média. Et côté où tu es très chauffé joue ça, côté où tu as tant de victoires les deux côtés. Et où tu investis tant physique, connaissance, famille, sport, message et tout ce qui en fait partie. Bon Dieu a continué bénir à toute famille et l'a rentré dans tout détail dans la vie. À toute salutation spéciale à tout l'autre compatriote qui te rend élection possible spécialement à monsieur Dominique Donat et Loumen Etienne, animateur motivateur zélé de Radio Télé Boston. À tout le monde qui gagne une émission radio qui te baille l'œil yo à candidat yo pour te promouvoir campagne yo dans élection. Bon travail à toute équipe candidat yo, Adius, Bradley, Natacha, Jean-Claude Sanon, Michel Denis, Gerli Adrien, félicitations. Et Marvin Hippolyte, poursuivre rêve nous. Toujours été consistant. Moi fier de nous-mêmes. Fier parce que nous fait fierté société. Non. Bon Dieu bénin, kembe la palage parce que nous combattants pas jamais perdu. C'est bénéficier yo qui toujours perdu. Et nous saluer à tout sociaux médias qui te baï cœur yo qui te mettait temps yo pour élection ça a été fait et Ruth Saint-Louis kounia élection fini on nous focus sur deux dates ça yo 24 novembre 21 décembre 24 novembre fête radio télé planète compas profitez prendre ticket pendant les $25 à partir de 11 novembre la paye le 35 21 décembre Legacy of Good One ticket à c'est $50 lié dans soleil levé avec Alan Kave et n'a gagné Maître Régis et qui est en fait réservation madame Etienne et n'a gagné Carolina Carolina et Marie-Lise qui honoré rêve nous vision nous c'est encourager mon qui fait ça qui bon là nous gagne la petite dit la petite la reine Carolina qui vraiment a explosé mon dent nous sentir nous fiers de mademoiselle Carolina et n'a honoré. C'est ça jeunesse contre la drogue. C'est ça n'a fait, n'a cherché mon qui a fait ça qui bon pour le bien-être communauté nous, bien-être pays nous. Donc nous sommes vraiment un jeune américain qui fait ici qui parle créole très bien. Plus fort, moi parle créole possible. Donc mademoiselle Carolina on va honorer et nous penser que papa fait bon travail, nous vraiment présenter monsieur Awol le PDG compliment parce que c'est un modèle. Moi, si je suis un modèle de quoi, je me suis senti mérité. Parce que vraiment, je fais valer petit lit et je me suis fier de mademoiselle Carolina. Et je continue, d'accord avec M. Des à M. Fanodi là, son bel travail, à Wolf fait. Kembe là, tout papa, suivre le modèle là pour nous capables de faire même genre, même si ce n'est pas chanter, tout le monde a chanté, mais il a sorti un autre bagaille. Et nous saluer Mamie Franchette qui est de passage dans Boston. Et Daniel Delem, Wilda, Méliane, Sœur Sylvie, Marie, Zépé, Van, Simon. Et tout l'autre monde qu'on a habitué à saluer. Et recevoir salutation à côté de nous. Et qu'on y a là, nous prenons la gémi quoi by Maître Régis, côté libre à débattre sujet ça pour nous, qui c'est la jeunesse contre la drogue, un combat contre les terroristes. Maître Régis? Merci Madame Etienne et Président Fanon. Donc, c'est le que nous recevons M. Dr. Awol et Maï. Donc, si tu et il a fait un vrai travail extraordinaire. Et n'a pas salué aussi M. Etienne. Donc, soyez de toute oreille. C'est un grand pour délégation. Et pour le sujet, et jeunesse contre la drogue, et c'est combattre les terroristes. Donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que le pourquoi, donc, quand on dit jeunesse contre la drogue, donc c'est dit non au terrorisme. Et donc, dès qu'on est contre la drogue, vous êtes contre le terrorisme. Donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important et que l'émission qui porte non jeunesse contre la drogue, je pense que c'est non au phénomène terroriste qui a ravagé le monde. Et qui a fait activité le monde, donc c'est la même chose, c'est que le même, il voulait intéresser, il était capable de parler de jeunesse contre la drogue, contre
de théorie. Juste avant que nous d'emblée dans le sujet, c'est que nous parlons de thématique sujet. Donc, drogue-là qui s'allie. Drogue-là, c'est une substance illicite que tu as acquis pour tuer une, normalement, qui est définie en général dans divers dictionnaires, et de que je prends drogue-là comme étant une substance illicite et que n'est pas autorisé par la loi pour nous consommer drogue-là. Donc, c'est puni par des lois nationales et internationales et que tous les pays au monde ont condamné encore l'usage de la drogue et en matière de consommation. Donc, c'est juste pour vous dire, donc, de cela, l'utilisation des présentations en termes de produits illicites, donc, c'est un produit qui n'est pas autorisé de consommer. Deuxième aspect, nous sommes capables de dire en matière de thématique, il y a aussi la question du terrorisme. Oui, de par définition, gouvernement par la peur. Les deux, par définition, c'est le gouvernement par la peur, ou bien tout, dans un autre sens, les capables, donc, le terrorisme, ce sont des actes de violence, éduqués des attentats, des destructions, des prises d'otages. Donc, et ce sont des cas graves qui pour permettre que nous ayons atteint nos buts politiques. C'est ça que ça veut dire, c'est terrorisme. Donc maintenant, au niveau du droit, parce que c'est juste en tant qu'avocat et l'auteur public, donc au niveau du droit international et au niveau du droit public, eh bien, il y a ce qu'on appelle des crimes transnationaux. Des crimes transnationaux. Crimes transnationaux, à qui ça dit? Crimes transnationaux, donc, ce sont des infractions qui sont capables de commettre un État avec un autre État. Ça veut dire que les gens qui ont commis un crime en Haïti, et crime ça, ils continuent pour la commettre tout, crime ça, aux États-Unis d'Amérique. Ils ont crime ça, crime transnational. Amérique, c'est donc crime transnational qui est fait. Côté que ils ont attentat qui s'est fait, ils ont attentat qui s'est fait en France, et pourtant, ils étaient planifiés depuis Belgique. Ils ont crime ça, crime transnational. Eh bien, regardez, ça, on est drogue et théorie. Ils ont tracé la drogue et le terrorisme comme des crimes transnationaux parce qu'ils ont lié avec ça, on est trafic monde. Lorsque il y a trafic monde, lorsque il y a bon monde, lorsque il y a fait exploitation sexuelle, et lorsque il y a fait bonne âme illégale, tout ça, ils ont entré dans la question du crime transnational et ils ont lié avec la drogue, ils ont lié avec le terrorisme. Ça nous dit par là. Ça nous veut dire donc, lorsqu'on parle de non à la drogue, c'est non au terrorisme, c'est non aussi aux crimes transnationaux, non aussi avec trafic humain, il y a bon monde, il y a bon petit monde, et non aussi à l'exploitation sexuelle, non aussi au trafic d'âmes illégales. Donc, c'est ça après, nous parlons de crimes transnationaux. Eh bien, en contexte du village, il y a ce qu'on appelle la consommation de la drogue, le trafic de la drogue. Quand on parle de consommation de la drogue, on dit que c'est mon capsule ou bien capsule ou bien cap manger de drogue là. Donc ça, c'est une consommation de la drogue. La consommation de la drogue, eh bien, ça est bon pour les humains. Vous voyez le trafic de drogue là, c'est lorsque vous avez mon cap vendre de drogue là. C'est ça, vous dit la drogue. Donc, la consommation de la drogue, tout ce trafic de la drogue, eh bien, dans le contexte général, tout détail n'est pas admissible, il n'est pas autorisé. Donc, l'émission Jeunesse contre la drogue, eh bien, lui compte la consommation de la drogue, lui compte le trafic de la drogue. Parce que la consommation de la drogue et le trafic de la drogue, lié aux actes de théorie. Bien que ma théorie lui commette, sachez que nous qui commettons l'IA, si on nous connaît, qui sous la domination, qui sous la puissance de la drogue. Dès que la théorie commet, on est que la théorie ça commet à travers le trafic de drogue, ce que gagne l'argent. Vous savez, il y a un petit capteur de l'Ila, nous voulons nous voir, parce qu'il y a des actes de l'Ila. Lorsque l'on acte commet, ou la théorie commet, il y a deux effets dans la drogue là. Il y a deux conséquences que la drogue là pose là-dedans. Nous qui commet, acclamé.
théoriquement comme acclamé, quel que soit un droit bien déterminé, que nous ça qui commette l'IA, avant qu'il aille commettre lui, sur nous qui vous dire que nous ça à 90%. Et bien, à 95%, c'est un monde qui est bougé. Parce que c'est un monde qui perd du conscience, c'est un monde qui va pour de même. Mais elle va faire acclamer, il va avoir cœur, il va avoir sentiment, il va avoir sa partie. Pour le monde va mourir sous conflit, et puis le monde ça va consommer de la glace. Deuxième raison encore, le monde ça qui va faire crime ça, c'est de la glace encore, qui va faire crime de l'islam, et puis. Yo tout au fil l'argent. Yo tout au fil l'argent. Maintenant, sous l'argent, ça, même quand on est crime, eh bien, yo vient directement de la banque. Yo vient directement de la banque parce que nous avons une somme d'argent. Que si nous vivons, eh bien, petit, madame, ou bien mari, a bénéficié de l'argent, ça, et c'est l'argent sale. Le trafic de la drogue dans l'argent, nous savons l'argent sale, eh bien, le trafic de la même. Nous permettons que les gens qui ont reçu, ils viennent l'argent pour commettre acte. Donc, c'est pour cette raison que nous disons que quand on dit la drogue, eh bien, on dit donc, je laisse contre les terroristes. Ça veut dire que, il y a 20 ans, président, pas dans les présidents d'affaires, madame est en affaire, et monsieur, Harold, Marie, d'Afrique, avec le grand juge d'affaires, donc, c'est le travail qui revient pour quelqu'un de qui compte non seulement jeunesse contre la drogue, mais aussi jeunesse qui compte le terrorisme. Donc ça veut dire que parce que nous marchons ensemble. Nous sommes capables de dire donc drogue, c'est avec terrorisme, c'est cassé avec l'aide. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de consommer sans nous. Début de drogue, et bien début de terrorisme. Le jour par des drogues, terroristes là, à suspendre. Le jour que afin de son droit disparaît sur la terre, et bien le vite, c'est juste à tout, pour ici là, à ce système, parce que le terrorisme lui nourrit par la drogue. Maintenant, au point de vue légal, nous voyons ça au point de vue légal, et ça, on va le point de vue légal, là, au niveau de la des lois nationales et internationales. Et bien, il y a M. Brendolino, le directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et bien, nous avons fait une déclaration, nous avons dit comme ça que le terrorisme nourri par les causes profondes de la radicalisation et de l'extrémisme violent n'a jamais été aussi étroitement lié au crime organisé, au trafic d'êtres humains, aux drogues et aux armes ainsi à la corruption. C'est ça, monsieur, vous avez compris. Monsieur, vous avez été dans le tribunal des Nations Unies, vous avez fait connaître que. En tant que directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous sommes tous que c'est cela, ils nourrit par des causes profondes. Ça veut dire qu'ils vivent, ils dépendent par un certain nombre de causes profondes, premièrement la radicalisation. La radicalisation, c'est une qui accède à l'islam radicalement ou bien des extrémistes violents. Deuxièmement, on a tous ces bons côtés qui lient étroitement, qui sont liés avec. Et trafic d'êtres humains, ça veut dire que les gens qui ont besoin de gens, il y a besoin de gens, trafic d'êtres humains, aux drogues, même qu'il y a des drogues, et les gens qui ont besoin des armes illégales avec les gens qui ont corruption. Et pour nos domaines de corruption, et pour nos domaines de trafic d'armes illégales, et pour nos domaines de drogue, eh bien, ou très voisin, ça aurait été visé. Qui t'a dit par avec tout parent, papa, maman, petite, tout en disant là, soit dans nos communautés de diaspora haïtienne, dès que vous avez un petit monde qui est exposé à la drogue, et bien, tout le monde a tout, l'inandis ça a été théorique parce que nous sommes très fragiles pour que nous allions allier avec eux. Donc, est-ce pourquoi, lorsque vous avez un monde qui est un petit monde, il faut que vous soyez très vigilant, mais pourquoi ça va le faire que dès que vous commencez à consommer de drogue, et bien, les visés par le régime, nous régimes terroristes. Et bien, c'est un rapport, le rapport du secrétaire général des Nations Unies, qui a fait publier en 2017, et bien, il dit qu'avec un taux moyen de 5,1% parmi la population mondiale âgée de 14, de 15 à 64 ans,
Et bien, je dis donc, il y a à peu près 51% des jeunes qui utilisaient la drogue et qui participaient à des actes terroristes. C'est le rapport du secrétaire général qui baille la prévalence de l'abus de la drogue dans le monde, c'est dans le monde, et aussi à des actes terroristes, et bien livrés avec un taux de 5,1% parmi la population mondiale âgée de 15 à 64 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur 100 mounis, et bien capable de, lorsque l'on souffrant mounis qui accède aux actes de terroristes et qui utilise des drogues, sur 100 mounis qui accède aux actes de terroristes, mais qui utilise des actes de terroristes, et bien, on va jouer 5,1% de mounis qui commettent des actes. Qui ont des actes dans le domaine drogue, dans le domaine abus et terroriste. Eh bien, la convention unique en matière légale, la convention unique sur les stupéfiants de 1961, la convention sur les substances psychotropes de 1971 et la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988. Donc, ce sont des lois côté que Nations Unies yo fait tout pays qui fait partie de l'ONU pour yo signer convention ça. C'était en 1961 et en 1958, yo dit donc non à l'usage de la drogue, non au trafic illicite, non aux actes de terrorisme. Et bien, tout pays qui fait partie des Nations Unies, yo voté convention ça. C'est ça que nous parlons de ça, comment dirais-je, aspect légal de la question. Maintenant, il y a un aspect que nous avons touché dans l'usage de la drogue là, avec la théorie. Dès que des théoristes ont un lieu dans l'espace géographique, des côtés théoristes à nous, des côtés qui ont fourni les théoristes là, et moyens pour vivre, expliquer le code là. Et bien, sous l'île, il y a un monde côté que, qui est très puissant en matière de drogue. Et puis, il y a deux trois pays qui sont très puissants en matière de drogue. On a dit donc qu'il y a la Colombie. La Colombie, dernièrement, en 2017, on a détruit à peu près 60 000 hectares de culture illicite. Donc, c'est le rapport de l'ONU qui a publié ça. Il y a 60 000 hectares. 60 000 hectares pour les capteurs de l'OGA, il évalue à peu près 58 carreaux de terre ou bien 57 carreaux de terre. Que l'État planté la drogue illicite. Eh bien, il a été détruit dans le site de Caroline Versailles. Il a été connecté en Colombie, l'État produit drogue. Donc, Nations Unies ont dit non avec le pays d'ailleurs, que 60 000 hectares ont été incendiés pour qu'ils aient été détruits en matière de culture illégale de drogue, suivant le rapport de l'ONU. Il y a aussi, en 2017, il y avait une opération qui a été menée en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pays qui est puissant avec la production de l'opium. L'opium, non, c'est un droit que l'opium. L'opium, c'est Afghanistan qui est le premier pays producteur d'opium. L'opium, non, c'est un droit qui fait moun dormir. C'est un droit qui fait moun, par exemple, endormi. Et bien, c'est en Afghanistan qui produit bien ça. Et bien, en 2017, qui t'a offert? Et bien, ils ont mené en opération, ils ont permis que ils ont détruit à peu près 2000 hectares d'opium côté que ils ont cultivé taoulé drogue. Ça, ce sont des rapports que ils ont donné côté que sous certaines drogues côté que ils ont produit drogue là et pour que drogue là lui-même travaille. Pour que depuis drogue là travaille, ça veut dire que si on lui-même lui-même, toujours existait. Et bien, il y a un rapport côté que donc la production mondiale d'opium lui a fait presque 7,790 tonnes en 2018. Ça veut dire que c'est tellement de drogue là, la partie de l'opium qui est très haut en Afghanistan, et bien, il y a un rapport côté que drogue là lui a atteint au niveau de 7,790 tonnes. Et donc, l'Afghanistan a produit près de 80% de la production mondiale de l'opium en 2018. Et ça, faut que les populations connaissent tous les côtés que ils ont fait de l'eau là et côté de l'eau de l'eau, il n'y a pas de problème à travers le monde.
côté que on produit. Une production cocaïne là, lui très très haut en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ça veut dire zone Colombie. Et bien, au normal, en Amérique du Sud, la production de cocaïne, lui a fait au niveau de 1976 tonnes en 2017. Et bien, c'est le premier côté qui produit le niveau de tonnes d'ailleurs fait en Amérique du Sud. Et après quoi, il y a le cannabis. Le cannabis, même, je dis bien, cannabis, lui a fait au niveau derrière en France, c'est de 115 tonnes en 2018 en France. Donc, je devrais vous dire que le niveau de Carabia est très très avancé. Donc maintenant, pour dire ça, que nous baillons ce rapport ça. Nous baillons rapport ça, c'est juste vous vous dire donc, le niveau de droit est tellement allé très très loin. Donc il faut être bien que la population et la communauté haïtienne de diaspora il fait très très attention parce que la production de la drogue, eh bien, lui permet de créer le monde terroriste. Il a gagné, il a mis le mot terroriste. Donc, si toutes les fois, il a gagné des balises légales, des balises sociales, des balises économiques. Balises légales, là, qui s'allient, ce sont des lois de chaque pays, côté que chaque monde, côté que chaque monde a vu, par exemple, aux États-Unis, en Haïti, en France, au Canada, côté des mondes, il faut qu'il y ait des lois qui vous causent l'usage de la drogue, la consommation de la drogue, le trafic de la drogue, et aussi, contre le mouvement terroriste, parce que la drogue et le terrorisme, et bien, c'est qu'à faire athlète, de dire du côté de trafic de drogue, et bien, le terrorisme est là. Bien, balise légale là, qui permet qu'il y ait plus de lois qui votent, des plus de lois qui mettent en accord. C'est pour ça, on a dit à mes parents, à une certaine médiation, toujours mettre à jour si on connaît qui loi qui publie, et bien, dans le domaine, ça y est, parce qu'il y a vraiment très, très important en matière de drogue. Deuxième matière, il y a des balises sociales. Balises sociales, là, qui s'allient, eh bien, c'est éducation que les parents ont baissé. Éducation pour l'école, l'université. Parce que, bien éduqué, même quand tu es à l'université, il est capable de prendre drogue et il est capable de dévier à l'université. Il est capable de faire des actes qui d'abord. Mais c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la ligne sociale qui démettait la société à l'église, à l'école, nos organisations, nos structures, nos quartiers. Donc, pour qu'il y ait des dispositions qui prennent pour que le monde fasse usage de drogue, de consommer de drogue, et pour que plus tard, vous allez produire des actes sur. Eh bien, il y a la ligne économique, la ligne économique qui a lieu. Comme on peut dire, par exemple, les États-Unis qui baillent depuis que vous êtes dans le domaine ça. Vous avez que, en matière de balises économiques, chaque jeune a le travail, qui est différent en Haïti. En Haïti, vous avez plus de jeunes qui ont des avec drogue, ces jeunes qui ont formé, ces jeunes qui ont travaillé, côté où les jeunes sont, ils ont consommé, et puis ils ont vendu. Et bien là, c'est un problème économique, pays d'Haïti, vous avez l'autre pays, mais aux États-Unis, c'est autrement, ouais, côté que, lorsque les jeunes ont des possibilités de travail, des possibilités de faire quoi? Eh bien, l'État du Chambre a donné avec ce qu'on appelle la question de la dette. Mais cependant, ce qui est vraiment très, très important, côté qui a avantage, c'est même côté qui a des inconvénients. Pour que ça, nous disons, par exemple, la communauté haïtienne de la diaspora peut continuer à travailler davantage, même quand les jeunes travaillent, même quand les jeunes font des exploits au point de vue socio-économique, n'oubliez pas, pour que les jeunes qui marient, jeune qui m'a dit que madame, mari, toujours bien suivez un strict sur votre conjoint, sur vos enfants en matière de consommation de la drogue ou bien en matière d'usage et de produits qui n'ont autorisé par la loi. Et depuis, avec ça, que connexion, on a fait sur Internet pour que des connexions pour créer ou joindre des sites qui a adhéré. Avec ça, on est le mouvement terroriste que lui-même lui parle à l'adhérer avec le site qui est terroriste. Parce que c'est un acte qui est vraiment très important. De même que nous avons absurdé les jeunes qui ne pas faire usage de la drogue, eh bien, nous devons aussi mener au combat. Parce que lorsque un jeune de ordinateur, il a un laptop, ou bien, par exemple, il a un téléphone portable, parce que nous sommes très prudents. Pour qu'ils ne puissent pas accéder à des sites qui sont terroristes
et pour que nous bâtions des offres, pour que nous bâtions des offres qui permettent qu'il y a de mettre des actes. Parce que c'est un combat qui est extrêmement acharné, parce qu'il y a après avec le combat de lutte contre la drogue et le combat de lutte contre le terrorisme. Donc, pour nous terminer avec l'intervention, nous devons dire donc, eh bien, l'Assemblée générale des Nations Unies, il dit pour ça que dans un rapport publié en 2017 pour finir avec Pénion, il dit pour ça que parce qu'il y a trait à l'usage de la drogue et le trafic humain, le trafic d'âme illégal, eh bien, ce sont des crimes qui permettent que lorsque l'on mourit, lui commettre lui, eh bien, nous, ça, lui, Pénion, ça, on est un criminel international. Ça veut dire que lorsque l'on mourit, nous devons. Quel que soit ce pays sur la terre, et bien le monde entier connaît qu'ils sont criminels. Donc, est-ce pourquoi il a tout dit avec toute jeune, avec tout auditoire en capteur de l'Ira, donc lui, la jeunesse contre la drogue, et bien c'est la jeunesse contre les terroristes. Non à la drogue, c'est non aussi aux terroristes. Donc, cependant, il faut continuer à éduquer nos jeunes, à éduquer nos enfants. Il faut que aussi les parents aussi, de côté paio pour que j'ai un subversif auprès du congéo, auprès du timounio, pour que je ne pas non seulement consommer de drogue, mais l'usage de drogue, mais aussi que je ne pas habiller à des mouvements qui viennent avec sa relais terroriste. Donc, je pense que cela nous finit avec intervention, donc nous disponible de disposer pour les questions. Bon, maître Gis, je me pose une question. Nous connaissons en Haïti plusieurs jardins de drogue. Mais ce pensez vous fait avec drogue ça, puisque nous connaissons, tu malheureux pas qu'à acheter drogue pour fonctionner, c'est tu clairin, il fonctionne, mais drogue, y a des drogues qui gagnent en Haïti, yo, qui sont pensés que monde qui gagne jardin vous fait avec. Côté comme tu as dit en émission, côté revendre drogue et drogue dans nos zones quartiers populaires, par exemple à Cité Soleil. Quand on vient des jeunes gars sont quatre filles, les ont besoin de commettre un acte. Par exemple, au moment ça, on peut dire plein de manifestations en Haïti, au bout du politique, ni moment carnaval, ni moment rara, c'est quand on vient plus de trafic de drogue fait. Ça veut dire qu'on vient des jeunes qui ont acheté de drogue pour 50 dollars, pour 250 gouttes, des jeunes qui ont acheté de drogue pour 500 gouttes. Donc, pour que soit y a le carnaval, pour que soit y a une manifestation, pour qu'on a gardé côté que les manifestations qui passent en Haïti, les manifestations passent de haut aux jeunes, les jeunes, il y a une bonne manifestation qui a pris l'un de là, et puis, pour que nous soyons capables de manifester. Donc, là, aux jeunes côté que des usages de la consommation de la drogue, aux jeunes des jeunes abonnés à des ventes de produits, de ces produits liquides, parce que nous connaissons tout le monde qui a pris l'un. Nous avons capté le plus souvent si nous les jeunes côté dans le ghetto de la quartier populaire. Ça n'empêche que, par exemple, dans la zone côté qui est aisé, côté de mon cabal, ils utilisent de la rue, mais trafic là, nous avons acheté de l'eau pour 50 gouttes, nous avons acheté de l'eau pour 250 gouttes, 500 gouttes, et bien plus dans le quartier populaire. Donc, juste nous avons soit allé au fil final, il y a le commettre un acte, il y a violé un jeune. Ou bien tout, ils ont fumé le tout pour bon plaisir, parce que il va y avoir notre occupation, il va y avoir travail, ou bien tout, bien ça tout, c'est stress qui vient mettre au sol, parce que il n'y a pas rien, il y a fait, il n'y a pas de travail, il n'y a plus de mettre dans la société, et bien il va y avoir notre moyen, il fait, c'est fumé d'autres là. Donc, ce sont ces raisons, ce sont ces raisons qui permettent que, seulement lui-même, lui, à le commettre, à aller d'autres. Bon, maître Gis, gain madame Etienne qui prêt là pour. Et fait monologue parce que dans 8 minutes, la 3 heures. Donc, nous pensons que madame Etienne prêt là pour préparer monologue. Et maître Gis, merci pour le débat. Vous avez bon, une question pour me poser. Comme moi, je n'ai pas avancé, je n'ai pas bien temps et que je n'ai juste rentré dans le monologue. Là. Et maître Gis, Rémus, le débat là, tu es vraiment piqué et bien assaisonné. Je pense que communauté a été bien goûtée. Maître Régis Rémus, fait nous connaître dans une société, la loi, c'est une nécessité. Loi de juger. C'est comme ça qu'il faut que nous combattions la corruption et permettre nous évoluer sur les regards, sur l'articulation des espaces urbains, ruraux, sur les jeunes, dans les processus de développement. Ça veut dire,
pour nous chercher à approfondir connaissance nous, nous chercher qu'on est avant nous entamer n'importe situation. Mais Régis Rémy fait nous tout, faut que nous pas jamais expliquer, partager avec société, une communauté, tout ça nous connaît qui a servi demain, surtout jeunesse là qui a venu, qui c'est grand monde demain. Mais Régis Rémy fait nous connaître tout, faut que jeunesse nous ait une éthique, ethnique professionnelle dans la lutte politique nous, dans la continuité. Pas prendre thème terroriste ça à la légère. Sois prudent. Maître Régis Rémy fait nous connaître tout. On a toujours cherché pour nous mobiliser dans la coopération internationale pour lutter contre une menace terroriste en consistante évolution. Maître Régis Rémy fait nous connaître tout. Focus sur perspective et difficulté du renforcement de la coopération internationale par l'échange de l'information, de compétences et des ressources. Faut que nous cherchions à renforcer les fonds internationaux de prévention de l'extrémisme violent et l'ESA n'a gardé notamment n'a mobilisé jeunes et n'a fait lutter contre l'utilisation des abus des nouvelles technologies et d'internet par les terroristes. Maître Régis Rémy c'est vraiment un catalyseur qui prêtait attention sur la société ou la nature du changement. Ce produit entre parenthèses changement. Il cristallise les esprits et nous devons nous-mêmes le mettre en contexte. Ça veut dire changement, son bagage qui fait qui bat nos forces pour nous faire un changement dans nos faits qu'à privé. Maître Régis Rémy, ou c'est une piste qui est capable de guider nous sous chemin nous en tant que dirigeant, ça montre que ou c'est un défenseur pour les plus faibles. Tout ça, ou fait avec passion. Ou toujours prêt pour utile société ou communauté, ou limpide, argumenté, dense et accessible au grand public, ce qui est rare de nos jours. Pour aller plus loin, ou même qui fait tout ça qui est bon, ou même fait tout ça qui est bon et possible pour réduire toute quantité négligeable et même réduire taux absentéisme dans cette société ou et communauté ou vraiment open, ouvre cœur à toute décision et engagement positif. Maître Régis Rémy, ou écrit 3 livres parmi les livres saillants, ou c'est une bibliothèque recherchée qui rare à retrouver. En un mot, nous-mêmes, dans le programme Équipe Jeunesse contre la drogue, nous ne pouvons jamais suspendre et montrer comment nous fiers de vous, comment nous aimons, bon Dieu béni, bon travail. Parents yo, m'pensais initiative programme jeunesse contre la drogue. Moi crois li c'est un grand intérêt pour foyer nous yo, famille nous yo. Côté m'pensais que travail ça a cap fait là, apporter changement parce que chaque débat yo, si nous mettez yo en contexte, en pratique, y a toujours été un véritable guide pour l'inspirer jeunes yo, éclairer yo et faire yo prendre conscience et permettre yo tout réfléchir sur long terme à venir yo. Jeunes yo, la vie pas jamais fini. C'est moun qui pou bouquer. Toujours mettez tête nous en place. Laisse ça n'a toujours marché de progrès en progrès. Tout jeune qui attristé, qui dans drogue et dans l'autre qualité, bah qui pas doit exister. Nous même qui dans dormi ou même qui a dormi réveillé, sorti dans nuit qui fait prisonnier. Dégager nouvelle pour nous capable nouveau jour ça qui paraître là. Monde là pral belle, nous capable changer. Nous tous ces chemins qui fait pour nous rencontrer. Côté 5 droites mais nous fait pour compléter. Oui, nous jour n'a va arriver. Fait fête pour nous vivre chaîne solidarité ça. Cependant, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, faut que nous gagnions une grosse force qui puissant en pile qui c'est si là nous relait la foi. Nous pas besoin faire en pile calcul, agir foi. Quoi dans tête. Quoi dans toute décision positive yo laisse ça n'a va joindre bonheur n'a va joindre l'autre n'a va tourner un autre monde et dans tout toujours fait un moyen pour vivre de sorte que dans moment des pannes ça veut dire que dans les nous arrivons au dernier bout de souffle à vie nous même mettre pompe funèbre là prend la peine ensemble en nous mettre main pour nous faire une chaîne solidarité pour nous changer destin communauté noire et société noire. C'était monologue de madame Etienne. Habituellement les madame Etienne fait
un monologue pour Gesnou, il y a toujours agi. Maître Régis, qui ido du monologue, madame Etienne. Bon, monsieur Fanon, donc, je pense que c'est à féliciter et me merci aussi pour cette monologue à madame Etienne. Donc, bon travail, madame Etienne, et me merci aussi pour tous ces mots. Et monsieur Fanon, beaucoup de remerciements. Donc, je souhaite que nous continuions le travail que nous faisons là, et pas de prix, travail à jeunesse contre la désastre, pas de prix. Que nous sommes capables de payer et les gens qui font partie des jeunes de la bête, parce que construire une population, construire une société, eh bien, c'est beaucoup de choses. Et les gens qui ont une université, c'est donc une université jeunesse de la bête, qui a formé des générations. Donc merci, compliments à vous, M. Fanon, président, et ainsi que Mme Etienne, nous merci avec M. Francisia, ainsi que M. Et Fom de Maître Régis, ou même si yon nan participant, yon nan mam jeunesse contador kap aide nous sensibiliser communauté a, nous fiers de ou comme madame Etienne Dinamologue là, et n'a pouvo ça le 21 décembre. Parce que le 21 décembre, jeunesse contre la drogue, dans Legacy Ogoudan a honoré ou pour bon travail ou et pour intelligence ou et pour leadership ou. Je pensais que vous déjà dit un petit que vous avez acheté tout le monde, ok. Donc, prochainement là, si même prochain, nous avons des spots, Legacy of Good One, tout le monde est en fait, nous avons fait mise. Et je pensais que si même prochain, la communauté a connu son grand fête, n'a fait. Madame Etienne. Merci beaucoup. Ok, Maître Régis. Et là, je dis merci à tout le monde qui était dans l'émission. Ça possible après-midi. Hein. À la prochaine. Ou branchez sur Radio Télé Planète Compact 89.3 FM et 105.3 FM Brockton. Hey, Mr. Compact, elle est arrivée. Ça veut dire cette dernière semaine pour tout le monde pratiquer à $25 jusqu'à dimanche 10 novembre Capvin là. Ou même Tizayon, yo ta doué faire payer ticket à $35 kounia. Ou trop pas bon. Welli, l'aime dit un bagage, tout le monde fâché avec moi, yo dit Tizayon, ou pas doué dit ça. Gat sodim. M'a économisé $10 ou vle pour charger un ticket depuis qu'on a $35. C'est qui rase ou même? Hey, stoppé. Nous pas une bataille là, non? N'a dit moun yo prend ticket aujourd'hui à $25. Lundi cap 11 novembre, n'a payé ticket à $35. Donc, zami, fais vite. God is good all the time. Radio Télé Planète Compas, l'heure juste. 4 heures.